Osez l'avenir, le magazine de l'innovation avec BNCI, groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change. Faisal Tadlaoui. Bonjour et ravi de vous retrouver pour une nouvelle semaine de Osez l'avenir. Vous le savez, l'innovation est intimement liée à la recherche et la recherche à l'enseignement. Aujourd'hui, direction le nouveau quartier Anfa City de Casablanca, où se situe un établissement à la pointe de la technologie, notamment à travers son aspect connecté, l'Université Mohamed VI des sciences de la santé. L'université comprend un centre dédié à l'innovation. Le professeur Naji Hajjaj est à la tête de ce centre. Le centre d'innovation a un certain nombre de missions. Parmi ses missions, c'est d'assurer un rôle de leader, de catalyseur. Et le processus de catalysation est quelque chose évidemment de fondamental pour faire avancer les projets. Et une de ses missions fondamentales est d'identifier les sources potentielles d'innovation et d'en faciliter le montage et la gestion. Et donc de se préoccuper de tout projet que notre université pourrait développer dans tout domaine ouvert à l'innovation, qu'il s'agisse d'ailleurs de technologies, qu'il s'agisse de soins, qu'il s'agisse de ressources humaines, de projets relatifs aux ressources humaines, en remettant en permanence l'humain au centre de la préoccupation, puisque les sciences de la santé, c'est fondamentalement, bien entendu, les patients, mais aussi toutes les ressources humaines qui s'occupent des patients. Et le centre d'innovation a également pour but de pousser les jeunes, de pousser tous ceux qui s'intéressent précisément à l'innovation à prendre des risques, à être compétitifs, à se manifester sur le plan de la prise en charge de projets avec des objectifs évidemment définis et qui aboutissent à des projets concrets et à des projets actifs. Voilà, retrouvez Osez l'avenir sur la page Facebook BMCI. À demain. C'était Osez l'avenir, le magazine de l'innovation avec BNCI, groupe BNP Paribas, la banque d'un monde qui change.